chien. Mais quel chien? Il n'y a pas de chien ici. Ah là là, il est déjà parti. Phoebe? Phoebe, ouvre la porte. Non, il n'y a jamais eu de chien ici. Bon, allez, ça va, arrête ton numéro, là, on l'entend aboyer. Bon, écoutez, j'ai une petite chienne dans ma chambre. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Eh bien, je dois la garder pour des amis qui sont partis en voyage. Attendez. Salut, je m'appelle Carcasse. Vous voulez bien de moi quelque chose? Je vous aime déjà beaucoup. Bon, je serais d'accord pour la garder, mais Chandler est allergique. Oui, extrêmement allergique. Tu vois, si jamais je me retrouve à côté d'un chien pendant plus de 5 minutes, ma gorge se met aussitôt à se fermer. C'est drôle, parce que ça va faire plus de 3 jours qu'elle est ici et tu n'as rien. Trois jours. Si cette chienne est là depuis aussi longtemps et que tu n'as pas eu de réaction, tu n'es peut-être pas allergique à celle-ci. Oui, mais il faut quand même qu'elle parte. Et pourquoi? Ben voilà, c'est que... Non, tu te tais. Et tu te tais, pourquoi? Il le faut. Tu as compris, l'heure est venue. Oui, bon, je déteste les chiens. Quoi? Ça va pas, toi, t'es malade? Je te l'avais dit. Ils réclament sans arrêt, ils sautent toujours partout, et on ne sait jamais ce à quoi ils pensent, et c'est ça justement qui me fait peur. Oh oui, t'as raison, ils sont effrayants. Yeah! Ah, je sens que c'est la horreur que je lui fasse des caresses. Non mais attends, tu es sûr que tu détestes tous les chiens? Même les tout petits chiens? Il y en a un tout petit ici. Vous n'aimez pas les petits? Bon, ça va, vous êtes nouveau, vous. Tu vois, Chandler, je te l'avais dit qu'il fallait dire à personne ce que tu éprouvais envers les chiens. C'est comme Rose qui déteste les crèmes glacées. T'aimes pas les glaces, toi? C'est toujours trop froid. En fait, il se trouve que les chiens me mettent assez mal à l'aise, j'y peux rien. Et moi, ça me fait mal aux dents. Écoutez, je voulais pas en arriver là. Je sais que vous allez tous me haïr, mais je n'arriverai jamais à rester plus longtemps auprès d'elle. Alors voilà, soit c'est la chienne qui s'en va, soit c'est moi.